L'articulation de l'épaule est constituée de trois os, l'humérus, dont la partie proximale se nomme la tête humérale, la scapula, ou omoplate, qui est située à la partie postérolatérale de la cage thoracique, et la clavicule, qui est un os allongé qui unit l'épaule au thorax. L'épaule est constituée de plusieurs articulations, l'articulation gléno-humérale, entre l'humérus et la glène de la scapula, l'articulation acromio-claviculaire, entre l'acromion et la partie latérale de la clavicule, et enfin, la scapula s'articule avec le thorax par un espace de glissement que l'on nomme l'articulation scapulo-thoracique.